In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur BioShock 2 épisode 8. Aujourd'hui, les amis, nous sommes de retour avec cette musique infernale qui ne s'arrête plus. Et on va essayer de photographier un petit salon. Oh là là là. Ah, attends. C'est pas ça qu'il faut, c'est ça. Voilà. Alors, où il est, Michel? Jetez un froid glacial sur vos ennemis avec la foreuse glaçante. Eh oui, mais malheureusement, je n'ai pas la place. Mais grâce au Dr. Lamb, désormais, nous sommes tous membres de la même famille. Un peuple unique, une cause unique. Bien sûr, tu peux saigner mes vieilles chairs et arrêter mon cœur. Mais cette famille, elle, te survivra toujours. Quant à toi, géant de métal, tu mourras seul. Faut se détendre, hein. Faut se détendre, hein. Attendez, on va se soigner. Parce qu'on peut prendre cette trousse de soins. C'est bon, on a défoncé tout le monde. Échanger amélioration génétique. La vie ta chambre, évidemment qu'on prend. Ça, on l'a pas piraté. Ok. Attendez, c'est pas par là, c'est plutôt par là. J'en ai ras le cul de cette musique, hein. Je me tape ça depuis le début. Ça suffit un peu. Est-ce que je suis allé par là? Je sais même plus, les gars, je sais même plus. Non, je suis pas allé par là. Elle est insupportable. J'étais pas sûr. Dans le doute. Dans le doute, on bute tout le monde. Andrew Ryan m'avait dit jadis, dans Rapture, peu importe les origines. Mensonge. La pauvreté, la crasse et le mépris nous ont accueillis. Et cette voix que nous avions écrasée si longtemps a refait surface. Le Dr. Lamb nous a montré à tous que derrière les différences superficielles d'origine, de naissance, de couleur de peau, nous étions une seule et même famille. Ça s'ouvre pas, ça? J'aurais aimé. Parce que visiblement, il y a des choses par là. Non, en fait, c'était en bas. Ok, ça marche. Continuons à avancer. Chromosome armé. Continuons à la filmer, cette conne. A plus! Dans le bus! Ça dégage. Oui, je l'ai vu. On va se détendre tout de suite. Je vais pas avoir le choix pourtant que de la pirater.
bunker. Au moins, elle va me couvrir. Pendant que je pirate ce coffre. On est bon, on est bon. Je suis full. Mais arrêtez un peu. Méfions-nous. Vivement qu'on change de niveau. Allez, ça dégage. À fur. Il a pas aimé, hein. Oh, je l'avais pas vu, ça. Voilà, ça. J'ai encore passé la journée à attendre Harry à la maison. Je lui avais dit de ne pas critiquer ouvertement les décisions de Monsieur Ryan. Résultat, il a disparu. Je suis allée voir à la librairie, mais c'est pareil. Ses livres aussi ont disparu. Maintenant, c'est à cet énergumène de Sinclair que nous avons à faire pour avoir un toit. Attendez, vous savez quoi? J'en ai ras le cul de la musique, là. Ça m'a gâché un peu tous les derniers épisodes. La musique, merci, mais... elle me fait chier. Voilà. Elle n'a pas changé grand-chose. Oh, les dollars! Les dollars! Oh, des papillons! J'observe le morpho bleu jaillir. Attends. Hors du verre. On va je justement aller acheter de papier des fléchettes afin de piratage. D'en faire des insignes secrets pour les fidèles. La chenille du morpho ne tisse pas de cocon. Elle fait de son enveloppe corporelle son armure et sa métamorphose à l'intérieur. Nous sommes des morphos. Porter un papillon, c'est afficher notre soutien au docteur Lamb et à la famille. Bientôt, Rapture s'ouvrira et s'envolera. L'imago va naître. Si tu le dis, mon ami. La chambre de Gracy n'est plus très loin. Cette vieille chouette a mis pas mal de bâtons dans les roues ces dernières heures. Alors je ne serai pas regardant sur la manière dont tu t'en débarrasseras. Mais tu sais, c'est une vieille femme et sa rancune repose sur un malentendu. Alors... J'espère que j'aurai l'occasion de parler un peu avec Sophia au cours de l'éternité. T'as rien vu ? Qui que vous soyez, sortez d'ici ! Allez, ça dégage. Attendez. Petite sauvegarde. Si on affronte un boss, c'est toujours mieux. Baby Snatcher. Pas Baby Shark, hein. Baby Snatcher. Voyons voir à quoi ressemble l'étage. D'accord. On va prendre à gauche d'abord. On va prendre à droite d'abord. Sans déconner, on peut rien prendre là. Et 10 qui font 100. C'est une vraie manne ce truc.
Je file une poignée de dollars à Sinclair pour une cargaison de tubes et d'aiguilles. Je passe quelques soirées à les assembler en écoutant la radio. Et je lui refourgue le tout pour le double du prix. Je l'entube comme pas permis, ce crétin. J'aurai bientôt le cul posé sur un tas d'or. Et ça, ça vaut bien 2-3 piqûres. Monsieur Sinclair, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ça va s'ouvrir, ça, non? Ça s'ouvrira sans doute à notre retour. Ce soir, monstre, toi et moi, nous nous présenterons devant Dieu. Moi, parce que tu as le meurtre dans le sang, et toi, parce que la famille ne te laissera jamais t'enfuir avec cette clé. Écoute, je vais utiliser l'eau, hein? Je vais te faire payer un petit peu la facture. Et elle va être salée. Vos frais de recherche vous rapportent gros, repoussez encore plus loin les limites de vos analyses. Eh ben, dis donc, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas tout mettre. Je pense qu'on va essayer de s'acheter pas mal d'emplacements de fortifiants la prochaine fois. On en a l'occasion. Cette maison vide renvoie l'écho de ce que j'ai été. Éléonore, ma chérie, où es-tu à présent? Je tourne la tête une seconde. Et je t'ai perdu. Tout est allé si vite. Il y a un truc derrière, là. Je ne suis même pas la moitié d'une mère pour toi. Je n'ai pas su te protéger. La photo du docteur Lamb dans ma chambre me dévisage comme si elle pouvait voir ma honte. J'ai toujours été honnête avec ta vraie maman, Éléonore. Je lui ai confié mes secrets les plus intimes. Et je t'ai perdue, ma toute belle. Que va-t-elle penser de moi maintenant? Ok. Regardons à la fenêtre. C'est toi, la connasse? Je sais pourquoi t'es là. Alors tiens, prends-la. Je refuse. Ah, c'est la clé jaune comme dans Doom. Le docteur Lamb m'a fait confiance. Elle m'a confié son enfant. Et pourtant, la petite Éléonore a disparu. Et puis un beau jour, je l'ai vue avec toi. L'air bizarre. Et quand j'ai voulu l'embrasser, tu m'as brisé la mâchoire. Mais c'est bien fait. Cette douleur. Alors qu'attends-tu, voleur d'enfants? Allez, viens. Viens finir ce que t'as commencé. Je vais te défoncer! C'est à toi. Attendez. Décidé. Simplement, n'oublie pas qu'elle n'est pas armée. M'en bats les couilles! C'était le chant du cygne. Tu as un sacré instinct de survie, petit. Quand le sang coule à rapture, les requins ne tardent pas à rappliquer. Eh bien, qu'attends-tu? Tue-moi, maudit monstre. Reviens à la station et utilise cette laisse clé de sécurité. Ton sang. Tue. Écoute, elle parlait, elle était morte. J'en ai remis deux, hein. Si elle était pas morte, ma vieille. Allez, ça dégage. Bon, je pense qu'on va avoir un comité d'accueil, évidemment, à la sortie. Grace n'a pas réussi à protéger Éléonore de la chute de Rapture, Delta. Et ma petite fille a disparu à jamais. Mais j'ai choisi de pardonner Grace. Et tu l'as assassinée. Tout à fait. Consacrant ainsi son fanatisme. Elle avait bien cerné ta nature, et tu lui as donné raison. Écoute, c'est une personne de moins. Ne m'en veuillez pas. Ah, tiens. Aidez-moi à dénicher cette...
chez moi ici. Sortez. Ok. C'est tout. La Renaissance sera mon plus grand rôle. Mon plus grand rôle. Voleur d'enfants. Voleur, ils nous l'ont volé. Voilà, hein, faut pas déconner non plus. Une vie à chambre. Je me serais bien remis un peu de... Je me serais bien remis un petit peu de munitions là. Cher quand même. Voilà, on va s'arrêter là pour les munes parce que ça va à 2 secondes. On a tout fait ici quoi. Je pense que oui. Je pense qu'effectivement on a tout fait. On peut changer les fortifiants, mais moi ce que je voudrais c'est surtout en ajouter. Donc rien de très exceptionnel. Voilà. Ça fait progresser, hein. C'est le Joker. C'est le Joker en femme, hein. C'est moche, hein. Dis donc. Sauvegardons aussi. Juste comme ça. Ça, il va se falloir se pirater. Vous n'êtes pas digne de la regarder. Bâtard. En beauté. Eh ouais, mais c'est pas ce que je voulais faire là. Le problème, c'est que s'il m'empêche d'aller pirater, c'est compliqué, hein. Voilà, ça ira mieux déjà. Ok, on a fait le ménage. On va tout pirater. Voilà. Ça fera un copain. La chance du tueur. Je suis un gagnant. Qui est un gagnant? C'est moi le gagnant! Nous appliquons, c'est de s'enrichir! Maintenant, après, tout le temps!
Soyons prudents, je pense qu'il y a du monde. Je sais pas où. Là par exemple, attendez. Retourne vite à la station, mon gars. Je vais t'exploser. Voilà. C'est toi qui faisais autant de bruit là. Autant de perturbations là. Ouais, ça on va récupérer. Ça on va récupérer. Garder un peu de côté quand même. On peut repartir par là. Ça en prend. Et les petits rivets. On va récupérer. Encore des rivets, encore de la thune. Tac. Et ben voilà. Il est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Grimpe, petit, et démarre-moi ce train. Et vite, j'ai pas envie de jouer au contrôleur. T'inquiète. On se casse, mon gars. Petite sauvegarde avant la fin du niveau, sait-on jamais. Des fois que ça bug dans le chargement. Et on décolle. Salut le robot, à jamais. Et pitié, virez-moi cette musique! Écoute! Oh, toi qui brûle d'égorger l'agneau de Dieu! Jamais tu n'atteindras son Éden. Oula, c'est vraiment pas gentil ça. Ok, on est tombé sur un fou psychopathe. Oh petit, religieux. Réveille-toi, allez. Un fanatique. Toi alors, j'ai bien cru que cette torpille t'avait définitivement envoyé à Patres. Je suis dans le parc Dionysos. Le train est dans un sale état, il fuit de partout. Toute la zone est inondée et bouclée. Tu n'es pas loin de l'allée des sirènes. Il y a une station de pompage là-bas, qui devrait te permettre d'évacuer l'eau du parc. Comme ça, tu pourras y entrer. Ok. Dirige-toi vers la station de pompage, vite! J'ai envie d'aller voir ici, mais ça ne fonctionne pas. Trouver la station de pompage. Oh, trop bien ça! Il y en a d'autres ou pas? Moi je prends. Il y a des sangsues d'Adam là, je les prends moi. Je vais les chercher, vous inquiétez pas. C'est gratuit, ça fait plaisir. Salut! Père Wells a eu beau te séparer du train, tu t'accroches à l'existence.
Je suis impressionnée. Mais aujourd'hui, Delta, tu vas croiser le chemin d'un homme qui ne craint pas la mort. Un homme qui, pour sauver Eleanor, se jetterait dans les flammes avec le sourire des bienheureux. Vivement une station d'échange d'Adam, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il me faut ça. Continue à fouiller, on sait jamais. On a récupéré 20 d'Adam gratos, mais bon. Non, peut-être encore. On peut pas aller à droite. Ok, bah écoutez, on va sortir de là, l'allée des sirènes. Regardez-moi ce vieux tas de ferraille! Montrons-lui ce qu'on sait faire, messieurs! Je me débrouille. Tu vas faire un chouette trophée! Merci! Ah ouais, d'accord. Le monsieur P, il a un lance-roquette, quoi. Attendez, là, il y a une station. Là, il y a une station de vie ta chambre. Le mon cher, on peut pas le prendre. Ça, on peut le prendre, par contre. Seigneur, qu'attends-tu encore de moi? Ton humble serviteur a suivi avec dévotion les ordres de notre sainte mère Lambe, mais elle se refuse à me révéler le jour de ton retour. Je t'ai vu oxyre le faux prophète Andrew Ryan, qui nous a détournés de ton regard bienveillant. Pourquoi ne me parles-tu plus, Seigneur? J'ai bâti ce temple grandiose pour rassembler ton troupeau, et malgré cela, tu restes muet. Pourquoi n'aveuglerais-tu pas mon frère, comme tu as aveuglé Paul sur la route de Damas, pour qu'enfin il puisse contempler ta gloire? Je suis seul, Seigneur, seul. Je n'attends de toi qu'un signe. Ok, je sauvegarde, et on va tenter d'attaquer le Monsieur P. Par contre, je veux voir quelque chose d'abord. Je suis pas loin pour les grosses brutes. Grosse armée, protecteur. On sait pas ce qui leur fait mal pour le moment. Bon. On va tenter quelque chose. Je pense que du lourd, ça devrait être de la perforante peut-être. De la perforante. On va le filmer aussi. Allez, monsieur P. Là, ça craint, mais je l'ai eu. Franchement, je l'ai eu. Je t'ai eu au calme. Je dis à toutes mes copines que... Je t'adopte. C'est moi ton monsieur P maintenant. Attendez. Ah ouais, on a gagné des mini tourelles. Ok. C'est sympa ça. Donc on va commencer déjà par sauvegarder. Histoire de se mettre bien. Écoutez, Il sent la dent, monsieur P.
C'est là-bas. On ira donc à gauche la prochaine fois, ça marche. Elle est même pas obligée de regarder le bébé. Elle se rendra même pas compte qu'il est là. Je sais pas ce que je voulais faire, hein, bordel. C'est mort si je reste ici. Et voilà ton salut. Bon, ok. On va se mettre bien quand même. On va essayer en tout cas. Mettre bien. Je peux pas prendre ça. Je ne peux pas prendre. Ça m'aurait bien intéressé, vous savez. Ça, je vais le pirater. Et puis, comme ça, on va se soigner vite fait. Et surtout, bah, on va pouvoir se laisser là. Tu vois, il y a de la dent. Ok, et eh ben écoutez, on se dit donc à très très vite les amis. Et à ciao, bye. Il n'y a plus la musique de merde, ça c'est cool.